La dernière partie, la partie 3, sera une partie asymétrique. Marche. 4. 3. 2. Marche 4 sur le step. 1, 2, 3, 4. On y va. 1, 2, 3, 4. Encore. C'est la même chose. Ok, je rajoute un petit peu. Attention. 1, 2, 3, 4. Contre-temps, genou. Contre-temps descendant et genou. 1, 2, 3, 4. Pam, pam, pam. Genou. 8, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Pam, pam, pam. Et mon genou. C'est la même chose. Go, go. 1, 2, 3, 4. Pam, pam, pam. Genou. Attention les 4 sur le step. Attention, attention. 1, 2, 3, 4. Pam, pam, pam. Genou. Double step. Oui. On y va. Pied droit. Pam, pam. Et mon genou. La même chose. 5, 6, 7 et 8. Tap, tap. Pam. Hop. 5, 6, 7, 8. Genou. Ok. Je déplace mon genou. Regarde ce qui se passe. 1, 2, 3, 4. Ici, mambo, mambo et genou. J'ai mis deux genoux. 1, 2, 2 mambo, pardon. Mambo, mambo et genou. Compte avec moi, oui, le genou. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8, 1, 2 et 3. Ton genou à 3, hein. Pam, pam. Mambo, genou. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tap tap. Et mon contre-temps, il est sur le côté. Déplace-toi. 1, 2, 3, 4. Va là-bas. 1, 2 et 3. Go. Tap tap. Bam. 1, 3. Mambo croise derrière. Croise ton pied. Hop. Et genou. Tapez. Mambo croise derrière, d'accord? Je récupère toujours mon genou à 3. On y retourne en 4. Donc 3. Donc 2. C'est parti. Tap, tap. Pam, pam. Là-bas. Pam. Et marche. Single tap. Ça va ça? On rajoute encore un petit peu. 5, 6, 7, 8. Pam. Et le genou, c'est un twist. Attention, twist sur le step, descente à cheval. On essaie ça. Go, go, tap, tap. Bam. Hop, on monte, twist, descente. Tapez. Ok, je vais ça une fois avec toi pour voir la rotation. Twist, hein. 4, 3, 2, tap, 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 tap. Bam, bam. Là-bas. Croise, monte. Tourne, descend et reviens. Ok? Descente en avant et à cheval. Attention. 4, 3, 2, on y va. Et là-bas. Bam. Remonte. Single tap. Je vais rajouter une petite rotation après la descente à cheval. On y va. Go, go. Chat. Yep. Vers l'avant. Oui, la rotation, elle est logique, d'accord? Elle est vers l'avant. 5, 6, 7, 8, 1. Cha-cha. Remonte. Twist. Et je tourne pour repasser derrière mon step. Ça va, ça? 5, 6. Allez, avec moi. On y va. 1. Pas. Hop. Et un mambo. 2 mambo, 3 mambo, 4 mambo et basique. Tac. Ça va être la fin de la Corée, la fin du bloc numéro 3. 4 baby mambo et basique, tout simplement. 4. On y retourne depuis le double tap. C'est parti. 5, 6, go, go. Pas. Remonte. Enchaîne. Baby mambo. Il y en a 2, il y en a 3. Il y en a 4 et basique. Tout de suite, on y retourne. Et attention à ce qui va se passer.
avec les bambous. Je garde les baby bambous dans la diagonale. Et basique. Go, go, go. Chat. Reviens derrière le step. Fais-moi les baby dans la diagonale. 3, 4, et mon basique. Il y aura un reverter. Oui. 4 mambos dans la diagonale, reverter. C'est parti, go. Et 8, 1, 2, 3, 4, reverse. Tapez. Ça va? Bon, mais on va quand même changer les baby mambo. 8, 5, 6, 7, 8. Ici, 1, 2 et 4. 1, 2 et 4. Tap, tap. Genou contre temps. Genou contre temps. C'est deux fois le même mouvement. Oui, deux fois le même mouvement. On y retourne. Depuis les doubles taps. 5, 6, 7 et 8. Fais-moi le twist. Fais-moi le genou. Et 4, la même chose, genou. Reverse. On y retourne. Go, go. Attention, le genou contre temps. Même pour la suite. Allez, courage, on arrive à la fin. Et genou contre temps. Genou contre temps. Et mon reverse. C'est reparti. Tap, tap. Avec le mambo, tu vas passer par-dessus le step après ton genou. Chium. Fais-moi le genou. Mambo par-dessus. Genou par-dessus. Tapez. Ça va? On arrive à la fin du bloc numéro 3. Ça y est. Dernière fois, la même chose. Bloc numéro 3. C'est parti. Dans 4, dans 3, dans 2. Go, 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 go. Tap. Chat. Wap, hop. Genou. Over. Genou. Et bien voilà, l'ensemble des blocs a été fait. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on reprenait le bloc numéro 1, qu'on a mélangé avec le bloc numéro 2, et qu'on met le bloc numéro 3 à la fin. On essaie? Numéro 1, go! Qu'est-ce qu'il y avait maintenant? Rappelle-toi, le bloc numéro 2. Genou. Pivot, chassé. Genou. Pivot. La fin du bloc numéro 1. Mambo V-step. Tourne. Bloqué. On enchaîne avec quoi? Le bloc numéro 3. Double tap. Oui. Twist. Genou. Genou. Reverse. Je vais faire exactement la même chose avec toi. D'accord? Sur le pied gauche. 4, 3, 2, numéro 1, on y va. Numéro 2. Bam. Et chasse. Numéro 2 à nouveau. Hop. La fin du bloc numéro 1. Rappelle-toi. Bloc. Numéro 3. Bam. Et le twist. Vers l'avant. Hop, hop. Dernier. Et le reverse. Et on se retrouve tout de suite pour le produit final. Tout à l'heure, on a déplacé le bloc numéro 2 à l'intérieur de la première partie. D'accord, on a fait ce qu'on appelle un déplacement irrégulier. On a vu le bloc numéro 1, numéro 2 et numéro 3. La prochaine étape, on va déplacer le bloc numéro 3. Ok? Attention, tapez. 1, 2, 3, 2, 1. Qu'est-ce que c'est? On va faire une pyramide. Bloc numéro 1 au début. Bloc numéro 2, comme tout à l'heure. Bloc numéro 3. Bloc numéro 2. Bloc numéro 1.
le mouvement de travail tout en haut. Tapez, attention. Ok, n'aie pas peur, je vous ai dit que c'est la courée et on va y aller tranquillement. Tu es prêt? Donc 4, on reprend depuis le début. Tout ça. 4, 3, 2, numéro 1. Le numéro 2, au même endroit. Attention, là tu me fais le bloc numéro 3. Et le twist. Et le genou. Ça va ça? C'est le bloc numéro 3. Hein. Le reverse, je récupère le bloc numéro 2. Et il me reste quoi? Le bloc numéro 1. Et mon tour. Et bloc. Pam pam pam. Et ta. Oui, tu as vu? 1, 2, 3, 2, 1. Le bloc numéro 3 en fait se situe au milieu de deux séquences, droite et gauche. On retourne, on y retourne. Let's go, go. Allez, rappelle-toi. Numéro 2. Hop. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Le numéro 3, c'est ça. On est en haut de la pyramide. Hein? Hop. Et tout. On reverse. Numéro 2. Et la fin de la courée qui correspond toujours à la fin du bloc numéro 1. Bloc. Tac. Ça va? Pour la suite, si tu veux, je refais la même chose avec ton pied. D'accord? Le pied leader, rappelle-toi, c'est le gauche. Ok? Je suis avec toi. 4, 3, single tap, single tap, single tap. Bien. 1, 2, 3, 2, 1. On y va dans 4. Dans 3. Dans 2. C'est parti. Go, go. Le 2. Le numéro 3. Boum. Boum. Rappelle-toi, le genou. Le genou nouveau. Le reverse. Je récupère le bloc numéro 2. Oui. Le pivot. Et la fin. Hop, là-bas. Viens vers moi. Boum. Single tap. Ça va? Ça tourne un petit peu, hein? Dernière fois? Allez, dernière fois. 4, courage. 3, 2, c'est parti, numéro 1, go! Prépare-toi, numéro 3, numéro 3. Hop! Vers l'avant. Et le 2. Hop. Et la fin. Et tu sais quoi? Tout de suite, une dernière fois. Allez, on enchaîne. Go, go, go. Et le 2. Hop. Numéro 3. Et le twist. On enchaîne le bloc numéro 2. Go. Et qu'est-ce qu'il nous reste? La fin du numéro 1. Top. Pam pam pam. Ok. Et bien voilà, la courée est terminée. J'espère que tu as aimé cette courée. D'accord, n'hésite pas à revoir les blocs numéro 1 et numéro 2 pour la pédale, pour l'enseigner à ta manière aussi. Et rappelle-toi,
chaque mois une choré différente avec Motion System. Je te dis à la prochaine. Merci à toi.